Laurent Lubrano, patron d'une entreprise de lampadaires solaires à Agen. On dit toujours la bouteille à moitié vide, moi je la vois plutôt ici à moitié pleine. Voilà. Pour croire en l'avenir, Laurent joue la carte du terroir et du Made in France. L'ancien rugbyman arrive ainsi à séduire de gros clients venus d'Afrique ou du Moyen-Orient. Cette fois, il reçoit des Koweïtiens et va tout faire pour transformer l'essai. Sarah, la directrice des ventes internationales, est venue nous chercher à la gare d'Agen. À l'intérieur, une entreprise high-tech avec de jeunes ingénieurs. Ils créent des lampadaires solaires, des éclairages publics révolutionnaires qui fonctionnent donc sans aucun réseau électrique. Depuis le Lot-et-Garonne, le patron, Laurent Lubrano, un ancien rugbyman, est devenu leader mondial. Bonjour Thibault. Bonjour Laurent, bonjour à tous. À Dakar, ses équipes vont poser 50 000 lampadaires, éclairer un tiers du pays. Un chantier colossal. Qu'est-ce qu'on a posé la semaine dernière? On a fait un peu plus de 600 la semaine dernière, c'était une bonne semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a éclairé comme type d'ouvrage? On a de la route. Oui. Ça c'est le pont toujours, qui n'est pas encore ouvert à la circulation. Et on voit que c'est assez puissant l'éclairage. Et puis sur la branche de l'autoroute, on arrive à avoir des résultats qui sont très impressionnants. Voilà. Grâce à ses contrats dans le monde entier, l'entreprise emploie 100 salariés à Agen et a produit l'an dernier 25 000 lampadaires solaires. Un site de production que tous les gros clients de l'entreprise demandent à visiter. Ces ingénieurs d'une entreprise publique arrivent tout droit du Koweït. Merci d'être venu. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bien, merci. À la clé, un marché de 186 lampadaires solaires. Laurent Lubrano a 24 heures pour les convaincre. Ce matin, Sarah, la directrice des ventes internationales, tente de convaincre ses Koweïtiens d'acheter les lampadaires solaires fabriqués ici. Au soleil, ce sera mieux. À la clé, un contrat de 300 000 euros. 36 volts, c'est bon, le panneau solaire marche. Ces panneaux solaires alimentent les lampadaires autonomes qui font le succès mondial de l'entreprise. Ils permettent d'éclairer des quartiers entiers qui ne disposent pas de réseau électrique. Elle met un filtre parce que la lumière est trop puissante. Ne regardez pas directement la lumière, vous ne pourriez plus rien voir. Maintenant, on va aller voir nos lampadaires solaires, c'est ça? Oui, on va au rond-point en face du bureau, celui que vous aviez vu de jour. Vous allez voir ce que ça donne de nuit. Sur ce rond-point proche du siège de l'entreprise, les Koweïtiens peuvent évaluer la puissance des éclairages français. Tu as vu la lumière qu'il y a ici? Ce serait bien de faire une photo. La lumière est puissante et ça fait vraiment le même effet qu'un lampadaire électrique. C'est la même lumière que ce qu'on voit sur les autoroutes. C'est de la grande qualité, c'est bien. À Agen, quelques jours ont passé depuis la visite de la délégation koweïtienne. Oui, je vois. Laurent et Sarah viennent d'avoir une bonne nouvelle. Ils ont signé le contrat? Oui. Leur visite s'est bien passée. Voilà. Grâce à la contribution de chacun, ils ont signé, validé. La production des 186 lampadaires solaires a commencé. Ils sont destinés à un nouvel écoquartier de Koweït City. Grâce à ses exportations dans 40 pays, l'entreprise a créé 70 emplois depuis 2 ans et prévoit encore d'embaucher.